Bonjour, c'est David et dans cette vidéo, je vais vous partager quel est pour moi le plus grand mal, la plus grande peur que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Cette peur du jugement des autres, cette peur de ce que vont penser les autres. Je vais vous parler de l'origine de ce mal, que je considère comme mal, parce que ça peut vraiment vous freiner dans votre vie. Ça m'a freiné dans ma vie, ça vous freine très certainement aujourd'hui encore dans votre vie, à petite ou grande échelle. On en parle dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, comme chaque lundi, posez sur papier quelles sont les intentions que vous allez avoir cette semaine pour avancer vers vos objectifs. Et sentez-vous libre de télécharger votre formation offerte en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo ou bien dans la description de cette même vidéo. Alors, le jugement des autres, d'où est-ce que cela vient? Eh bien, d'après moi, cela vient principalement de l'enfance lorsque l'on est à l'école. Et je vais vous illustrer cela par un exemple. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, même s'il y a de la neige, et je me suis couvert pour ne pas avoir froid à mes oreilles. J'ai deux grandes possibilités. Soit je cadre comme cela, et vous vous dites, ok, sympa, un petit bonnet péruvien, c'est super, bon, voilà, pourquoi pas. Soit je monte un petit peu et je vous montre mon magnifique bonnet panda que personnellement j'adore parce que je le trouve super mignon, j'adore les pandas aussi, je trouve ça mignon. Bref, il y a toute une symbolique au niveau du panda qui me plaît. Ça me regarde, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que soit je me fonds dans la masse et je dis ok, eh bien je ressemble à tout le monde, j'ai un bonnet on va dire plus ou moins classique, soit j'ai un bonnet qui sort un peu de l'ordinaire et je risque d'être jugé par les autres comme un peu fou, comme ok, il y a un consultant qui s'affiche sur une vidéo YouTube avec un bonnet panda. Pourtant, sur le chemin de la vie, vous allez rencontrer de nombreuses personnes qui vont vous juger sur votre apparence. Vous savez, je me rends compte de plus en plus que l'habit fait le moine, mais ça, c'est l'histoire d'une autre vidéo. Sachez que le fait que vous portez un bonnet panda ne fait pas de vous quelqu'un d'incompétent. Le fait de porter une belle veste ne fait pas de quelqu'un de vous de compétent. Sachez dissocier l'apparence des compétences de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez être quelqu'un de très compétent et mal habillé, et inversement, quelqu'un de très bien habillé peut être quelqu'un de très con, de très incompétent. Eh bien, sachez que pour moi, ça vient de là. Ça vient de l'enfance, du fait que quand on veut appartenir à un groupe, eh bien, il faut s'habiller avec des vêtements de marque, il faut faire les mêmes choses que les autres. Vous savez, à l'époque, quand j'étais plus jeune, ben oui, je suis plus tout jeune, c'est pas en cacahuète, c'est pas grave, je suis plus tout jeune. Ce que je veux dire par là, c'est quand j'étais plus jeune, il y avait les mangas qui sortaient à peine. C'était le Club Dorothée à l'époque. Et vous savez, on me jugeait parce que j'aimais les mangas, parce que ce n'était pas quelque chose de connu, ce n'était pas quelque chose de répandu. Aujourd'hui, vous allez dans les cours de récré, la majorité des élèves savent ce qu'est un manga, parlent de manga, sont ouverts au manga. Et les mentalités ont changé. Alors, ça ne veut pas dire que ce fléau, je considère ça comme un fléau parce que vous savez, derrière, il y a ce que l'on appelle le harcèlement. Le harcèlement à l'école, c'est des choses que j'ai vécues et c'est pénible pour un humain, pour un être humain, pour un enfant qui grandit, un adolescent qui grandit, de vivre dans ce harcèlement. Bon, ça, c'est un autre sujet. On ne va pas spécifiquement en parler dans cette vidéo, mais sachez que ça existe. Et si vous aussi, vous avez vécu ce harcèlement étant plus jeune, eh bien, sachez qu'on peut s'en sortir et que l'idéal, c'est de ne pas faire subir aux autres ce que vous avez subi. C'est ce que j'avais envie de faire comme parenthèse par rapport à ce sujet du harcèlement. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être vous-même. Et vous avez même, d'après moi, le devoir d'être vous-même. Le devoir de vous afficher avec un bonnet panda, si ça vous plaît. Le devoir de faire une vidéo un peu à l'arrache, si cela vous plaît. Faites les choses pour vous, avec les autres. Pour vous, avec les autres, et pas pour les autres. Ça veut dire que, oui, il faut être d'un côté égoïste, pour vous, pour soi, avec les autres, en étant altruiste. Pour soi, avec les autres. J'insiste sur cette phrase, mais personnellement, elle est primordiale pour que l'on puisse s'épanouir dans nos vies. Vivre pour soi,
avec les autres, dans le respect des autres, mais principalement et premièrement dans le respect de soi. Et là, ça rejoint les intentions que vous avez dans votre vie. Si vos intentions sont positives et bienveillantes, eh bien, ce qui se passe à l'extérieur, la manière dont c'est interprété par les autres, ça appartient aux autres. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Partagez en commentaire ce que vous pensez, ce que vous vivez aujourd'hui, comment vous vous en êtes sorti par rapport justement au jugement des autres, quels sont les petits exercices, les petits mantras que vous vous dites par rapport à cela. Indiquez également en commentaire si vous vivez ce genre de problème et si vous avez envie d'en discuter. Ben voilà, l'idée c'est que la communauté puisse grandir ensemble. Comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître, le bouton d'abonnement. Et vous ne manquerez aucun épisode du vlog Entreprends ta vie. Parce que c'est ça aussi, entreprendre sa vie. C'est passer à l'action, être soi-même, vivre pour soi, avec les autres. Prenez soin de vous, à demain les amis.